Bonjour, bienvenue aux écuries Salles Sud Équitation chez Franck Froger qui nous accueille et qui accueille aussi Danielle Monet qui est instructrice et utilisatrice des selles Gaston Mercier depuis plus de 15 ans. Danielle Monet, bonjour. Bonjour Manu. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire un peu quel est votre parcours équestre ? Absolument, donc ça fait 40 ans que j'exerce ce métier équestre, monitorat classique, instructorat à l'École Nationale de Saumur et à l'issue de mon instructorat, ça fait maintenant 15 ans que je me suis complètement remise en question avec des connaissances sur l'approche comportementale, des connaissances biomécaniques sur le plan du cheval et sur le plan du cavalier et aussi aujourd'hui spécialiste en rééducation des chevaux au comportement déviant. Est-ce que vous pouvez nous dire à quand remonte votre premier essai de selle Gaston Mercier et comment ça s'est passé ? Je m'en souviens très bien, c'était à peu près il y a 15 ans, c'était avec Gaston Mercier, père, et il m'avait amené une margeride et je suis montée dessus et là, j'ai été subjuguée par le simple fait que dès qu'on s'asseyait sur cette selle, on était déjà dans une position incroyable, dans une verticalité incroyable. Et donc, qu'est-ce qui a changé pour vous dans cette façon de monter ? Je crois que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir sur la posture, parce que même à Saumur, je n'avais pas cette proposition-là. Et surtout, la chose la plus importante, ce que j'ai ressenti, c'est que les chevaux sont énormément libérés dans leurs épaules, dans le fonctionnement du garrot, qui est quand même quelque chose qui est fondamental, puisque le garrot est le piston du cheval. Donc, pour moi, ça a été vraiment magique. Il y a quelque chose qui s'est passé sur le plan biomécanique. Et dernière question subsidiaire, qu'est-ce que pour vous la juste mesure équestre ? Et bien, la juste mesure, je trouve que c'est une très belle expression parce que ça englobe tout. Ça englobe effectivement une selle qui a été réfléchie pendant des années, posée au bon endroit, un équilibre, hein, c'est-à-dire une verticalité, une horizontalité, tout ce qu'on vous a dit, donc quelque chose de juste et surtout ce que je vais dire qui correspond à ce que je suis, ça correspond à l'éthique et au respect du cheval. Parce que pour moi aujourd'hui, on ne peut pas parler d'équitation si on ne rentre pas dans ces connaissances biomécaniques et ce respect du cheval à travers des selles de cette qualité-là. Alors, explication biomécanique, le cheval est une colonne vertébrale qui part de la pointe de la nuque à la pointe de la queue, ça s'appelle une horizontalité. Le cavalier, nous avons la même colonne vertébrale qui part de notre nuque à notre coccyx, ça s'appelle la verticalité. Toute l'équitation est basée là-dessus, sur l'horizontalité et la verticalité. Par rapport à tout ce que nous avons dit au préalable, voilà la démonstration de l'horizontalité qui est imagée par cette chambrière. Donc horizontalité du cheval, sa colonne vertébrale. Verticalité du cavalier, Franck va tenir l'axe. C'est pour ça qu'on appelle ça deux axes. Si je lâche mon bassin, je pars en arrière de la verticalité. Je me remets vertical. Si je pars en avant, je suis en avant de la verticalité. À savoir que cette verticalité n'est possible dans un premier temps que grâce aux selles Gaston Mercier. Pourquoi ? La selle Gaston Mercier est la seule qui est posée au bon endroit sur la bonne vertèbre, donc déjà c'est extrêmement important. Elle est la seule qui libère le garrot. Ça ne suffit pas, même si quand on monte sur une selle Gaston Mercier, on est déjà dans une bonne posture. Que vous soyez cavalier de compétition, que vous soyez cavalier de randonnée, que vous soyez cavalier d'endurance, ça n'a aucune importance. Ce qui va être important, c'est d'avoir quelques connaissances biomécaniques corporelles. Je vais donc vous les proposer. Si vous prenez votre corps, vous allez imaginer que vous avez trois cubes. Le premier cube, on va l'appeler le cube numéro 1, c'est le cube du bassin. Il peut avoir trois postures. Rétroversion. Ça veut dire qu'on a le ventre rentré, qui est une posture assez courante chez les cavaliers. Antéversion, on est carrément cambré. Et au milieu, vous avez le neutre. Si vous prenez le cube numéro 2, qui va être votre plexus, votre poitrine, rentrez la poitrine, sortir exagérément la poitrine, et au milieu, vous êtes dans votre verticalité. Si vous prenez la tête, penchez la tête en avant, penchez la tête en arrière et au milieu. Ça veut dire qu'avec cet exemple tout simple de trois cubes, vous pouvez déjà de vous-même vous corriger. Oh.
verticalité, c'est être capable de rester sur ses pieds sans s'accrocher. Il n'y a que les selles Gaston Mercier qui peuvent vous proposer ça, plus le travail de votre posture.